Oui, bonjour. Nous allons parler de la femme. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai écrit « Miroir de femme ». Vous pouvez le lire. « Miroir de femme », Raymond Dazan, fnac.com. Alors, j'ai toujours dit qu'une femme devait rester à sa place de femme parce qu'une femme a trois rôles. L'amante, bon, celle qui aime son mari, voilà l'amante, enfin son mari, son amant, qui elle veut. Et ensuite, la maman. Et ensuite, la femme. La femme, c'est celle qui est à sa place, qui sort, qui s'habille, qui se fait belle, etc. La maman, c'est celle qui s'occupe de ses enfants. Et l'amante, c'est celle qui met de l'amour et qui se défait de son rôle de femme, ce qui est extrêmement difficile, et son rôle de mère à la fois. Donc, parmi ces trois positionnements de la femme, c'est vrai que, rajoutons à cela, la femme surdouée. Et quelqu'un me demande, c'est quoi pour une femme surdouée rester à sa place? Question piège pour Raymond. Raymond, c'est moi, oui, je vais y répondre. Je réfléchis en même temps. Donc, c'est vrai que la femme surdouée... Quelqu'un m'a dit, mais Raymond, ça doit être dur pour toi les hommes parce que tu fais peur. Donc, soyez gentil, mettez-moi des mots en disant que je ne fais pas peur. Ça serait très sympa parce que là, vraiment, ça devient casse-pied. Donc, l'histoire, c'est ça. Évidemment que la femme surdouée est intelligente. Elle a ce sens de la réflexion, elle a ce sens de l'émotion, elle a ce sens de ses ressentis, etc. Donc, ça fait d'elle un être particulier. Par contre, elle n'est pas du tout dans la séduction, elle n'est pas du tout, mais elle peut être aussi une mente religieuse par peur de l'autre. Donc, la femme surdouée, c'est quoi une femme surdouée qui reste à sa place? C'est une femme qui, malgré cette intelligence, c'est ce cerveau qui travaille tout le temps, alors après on appelle ça intelligence, appelez ça comme vous voulez, malgré ce mental qui est tout le temps en effervescence, malgré ses doutes, malgré ses inquiétudes quand elle est face à un homme et qu'il dit « Oh là là, si je lui plais, je lui plais pas, là, j'aurais pas dû mettre ce truc, j'aurais pas dû mettre ces boucles d'oreilles, j'aurais pas dû faire, oh là, il faut que je me tienne bien parce que peut-être il préfère les femmes, oh, j'aurais dû me faire blonde, peut-être qu'il préfère les blondes, etc. etc. » Parce qu'il faut voir, hein, ça turbine là-haut, hein. Vous reconnaissez. Hein. Donc on parlera de l'homme c'est un peu différent, mais c'est pas loin non plus. Hein. Donc toutes ces inquiétudes et tout font qu'à la fin, bien sûr, qu'elle n'est plus à sa place de femme. Une place de femme, comme dirait Lacan, c'est laisser pisser, puisque c'est la seule chose qu'on ne pourra pas retenir. C'est pas moi, c'est Lacan, hein, c'est lui. Il l'a dit. Donc, à un moment, rester à sa place de femme, c'est arrêter de vous prendre la tête. Arrêter de vous prendre la tête. Raymond, arrête de te prendre la tête. Bon, moi aussi. Donc, c'est ça. Rester à sa place de femme, c'est ça. C'est être face à un homme. Alors, si vous parlez en général ou en particulier, on va parler dans le sens homme-femme. C'est ça, c'est... Oh, so what? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Il veut pas de vous, il veut pas de vous. Hein. C'est pas grave, hein. Il veut pas de moi, mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est cette peur et cette inquiétude qui fait que la femme surdouée va réfléchir beaucoup plus que les autres, va s'inquiéter beaucoup plus que les autres. Et puis, ben, elle va regarder le train passer, tandis que les autres, ils sont rentrés dedans et l'ont attrapé. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est le temps qu'elle réfléchisse, qu'elle se pose des questions, ah ben, l'opportunité est passée. Passons à autre chose. Donc, la femme surdouée à sa place, c'est une femme qui est... Alors, différemment intelligente, parce que plus, moins, trop, je sais pas, différemment intelligente, enfin c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps et qui même dans une rencontre avec un homme ne va pas pouvoir s'empêcher de réfléchir, de poser des questions on tourne en rond, allez, le doute, l'inquiétude, le manque de confiance en soi, la peur, et puis surtout la peur que ça fonctionne. Attendez, vous voyez pas, une femme à sa place, surdouée et tout, ça peut fonctionner. Donc le sourire est habitué à être malheureux, donc être heureux, c'est vachement compliqué. Hein. Oh, on est heureux, c'est-à-dire la vie s'arrête, on est heureux, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, c'est tout, ça s'arrête là. Donc le sourire, non, il faut qu'il travaille, il faut qu'il tisse sa toile et qu'il recommence et qu'il refasse, et qu'il aime bien ça. Donc il y a ce peaufinage qu'il faut faire, refaire, qu'il faut être dans le méticuleux, donc on va faire bien les choses, mais c'est pas ça la vie, hein. C'est clair. Hein. Ça, c'est sûr que le sourire, le temps qu'il réfléchisse, et si, entre nous, si c'était pour draguer un mec, le temps que la femme surdouée réfléchisse, il y a trois autres nanas qui sont déjà parties avec. Voilà, bon, en tout cas, c'était pas pour vous, mais bon. Mais c'est vrai que le surdoué, à force de faire comme ça, passe à côté de son destin, quoi. Parce que je veux bien qu'on ait un destin, mais il faut quand même lui tendre la main à son destin. On peut pas toujours réfléchir là où il faut agir. Donc la femme surdouée, c'est ça. C'est une femme qui est beaucoup plus en éveil, qui est beaucoup plus en éveil de tous ses sens, qui est aussi dans une grande demande, que si c'est un homme, si on parle de relation homme-femme, l'autre va le sentir, et les hommes, ils ont horreur des femmes qui sont dans des manques, mon Dieu, c'est terrible, elle va s'accrocher à moi, elle va me coller, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser.
Donc ça peut donner aussi cette sensation-là, une femme sur lui, comme une sangsue et tout. Les hommes aiment bien les femmes, vous savez, un peu mystérieuses, vous savez, qui se cachent. Vous voyez, quelque chose de mystérieux, qui vont devoir découvrir, se battre dans l'arène pour une femme. C'est ça, un homme. Donc si on parle de relation homme-femme, on peut pousser un peu le bouchon plus loin, mais c'est laisser l'homme vous découvrir. Mais la femme sur deux a tellement peur qu'elle balance tout. Elle raconte plein de choses qui ont pas de sens. Mais juste pour se couvrir cette vulnérabilité de cette hypersensibilité, résultat, les hommes, ils se fatiguent. Les hommes, ils ont besoin de combattre, d'aller dans l'arène, de se battre pour une femme et tout, de prendre la femme mystérieuse comme ça, qui reste, vous savez, qui ne donne rien d'elle-même, qu'on doit tout aller chercher, alors que la femme sur deux, c'est voilà, c'est moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, j'aime les gâteaux au chocolat, j'aime prendre mon bain le matin, pas le soir, la douche le midi, machin, le bidule et tout. Ah non, les hauts talons, ça va pas être possible, si seulement, voilà, etc. Eh, faut se calmer, hein. Laissez pisser. Attendez de voir ce qui se passe. Et ça, c'est la grande inquiétude de la femme surdouée. C'est pour ça qu'une femme surdouée à sa place, c'est presque un non-sens. À sa place de femme. Mais en même temps, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus sensuel qu'une femme surdouée. Vous imaginez cette femme avec cette intelligence, avec son ressenti, avec son hypersensibilité. Mais comment elle pourrait ne pas être super sensuelle, hein ? Impossible. Impossible. Mais bon, arrêtez d'avoir peur. Il ne va rien arriver. Enfin, plutôt, il va arriver quelque chose de bien si vous n'avez pas peur. Donc, c'est ça, rester à sa place de femme, c'est de surdouer. Une surdouée qui reste à sa place de femme, c'est quelqu'un qui arrête de se débiner de ses désirs en permanence, parce que c'est un peu ça, la femme surdouée. Elle a besoin de contrôler, elle a besoin de savoir. Donc, voilà. Donc, après, c'est un long chapitre qu'on va peut-être faire des petites vidéos de séduction, la femme surdouée et la séduction, la femme surdouée et la maison, la femme surdouée et les enfants, la femme surdouée. Voilà, on peut faire tout un cheminement comme ça. Mais pour l'instant, la femme surdouée à sa place, c'est très compliqué parce qu'une femme surdouée a besoin, pour justement cacher cette hypersensibilité qui la rend vulnérable, elle a besoin de se renforcer et de mettre du masculin là où il faudrait laisser passer le féminin. Et ça fait un carnage, quoi. Donc voilà, est-ce que la femme surdouée fait peur aux hommes? Vous pouvez m'envoyer des hpihpr@gmail.com pour l'instant. Et comme ça, on verra ce que vous pensez, vous les hommes. Quant à vous les femmes, j'ai envie de dire, fermez-la. Quand vous rencontrez un homme, fermez-la, taisez-vous, écoutez. Il a sûrement des choses à vous dire. Mais ça, c'est la peur. La femme surdouée, il faut qu'elle parle. Parce que comme elle a peur, voilà, il faut masquer, il faut combler les vides. Non, non, le silence, mettez le silence. Ils adorent ça, les hommes, comme ça, ils vont composer. Alors évidemment, si c'est un homme surdoué, c'est à peu près, grosso modo, le même schéma. Grosso modo, c'est à peu près la même chose. L'inquiétude, je ne vais pas lui plaire, et pourquoi, et j'ai dit une connerie, j'aurais pas dû lui dire ça, voilà. Mais ça mérite plus de temps. Mais en tout cas, une femme surdouée à sa place, ça serait une femme surdouée qui ferme son cerveau, qu'il met sur off au moins le temps de la relation. Et une femme surdouée dans la vie, dans la vie, une femme surdouée, c'est une femme qui est belle parce qu'elle dégage, qui est intelligente, c'est-à-dire qui comprend les choses, qui est dans l'empathie, qui est... Voilà, pour moi, c'est juste merveilleux, mais bon, après, ça peut déranger. Hein. Ça n'arrange pas tout le monde. Hein. Voilà. Bon, je vous embrasse, j'espère que vous avez compris quelque chose. Bisous, et donnez-moi des réponses. À bientôt.